Donc, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui pour la présentation d'une classe de maître de l'Observatoire du cinéma au Québec, comme on était sous-représenté dans les médias canadiens avec Diego Briseño. Je tiens en premier lieu à vous informer que cette rencontre, qui sera d'une durée approximative de 90 minutes, est présentée à la fois sur Zoom, plus maintenant sur YouTube, mais vous allez trouver les liens dans les chats éventuellement. Donc, il faut mentionner que nous sommes avec les étudiants du cours d'économie du cinéma. Bienvenue. Ayo, welcome. Dans les contextes de suivi des rapports et des appels à l'action de la Commission Vérité et Réconciliation du Canada, la plupart des grandes universités canadiennes ont développé un texte visant à la reconnaissance des peuples autochtones sur les territoires traditionnels desquels leurs activités prennent place. L'Université Montréal est située là où, bien avant l'établissement des Français, différents peuples autochtones ont interagi les uns avec les autres. Nous souhaitons rendre hommage à ces peuples autochtones, à leurs descendants, ainsi qu'à l'esprit de fraternité qui a présidé à la signature en 1701 de la Grande Paix de Montréal, traité de paix fondateur des rapports pacifiques durables entre la France, ses alliés autochtones et la Confédération Haudenosaunee. L'esprit de fraternité à l'origine de ces traités est un modèle pour notre communauté universitaire. Donc, je m'appelle Katia Morales, je suis doctorante en études cinématographiques à l'Université de Montréal. J'assiste à la coordination du programme et des recherches sur l'archéologie et la généalogie du montage, editing du laboratoire Cinémédia, et j'ai coordonné les livres sur les publics de cinéma dans les circuits culturels de la ville de Mexico, publié en 2020 par ProCiné VFX. Et j'ai le plaisir d'animer cette séance, donc je vous encourage à poser vos questions. Et vous avez deux ressources, l'outil lever la main ou bien écrire vos questions dans les clavardages. Vous pouvez réagir également avec le cœur, les palmes. Et pendant la séance, vous serez appelé éventuellement à interagir pendant la classe pour faire un exercice. Et donc, je vous présente à notre invité spécial, Diego Briseño. Diego est un créateur de médias né en Colombie qui a plus de 20 ans d'expérience en tant que producteur, réalisateur, concepteur et monteur de documentaires sociaux, des fictions et des transmédias à Montréal. Il est titulaire d'un BFA en cinéma, production cinématographique et un certificat d'études supérieures en technologie numérique et pratique de l'art et dessin de l'Université Concordia. Il a réalisé et produit 8 projets documentaires, dont une série télévisée, un projet interactif, un court-métrage de fiction qui ont toutes été diffusés à la télévision ou présentés dans des festivals de cinéma nationaux et internationaux. Par l'intermédiaire de sa compagnie Cuiva Media, il se spécialise dans le co-développement des projets transmédia à fort rayonnement international. Il est cofondateur et président actuel de Maquila, une plateforme d'incubation médiatique à but non lucratif, et co-directeur et développeur principal de Q&Hat Project, un concours de pitching de documentaires qui a été présenté lors des événements tels que les RIDM, Hot Dogs, ITFA, Sunny Side of the Dog. Il siège également au conseil d'administration de la Fondation Alter Ciné, qui apporte un soutien financier aux réalisateurs et réalisatrices de documentaires issus du Sud. En 2020, il est devenu co-responsable du soutien aux communautés sous-représentées au Fonds des médias du Canada, où il aide actuellement à concevoir des initiatives d'équité et d'inclusion pour les industries des écrans du pays. Bienvenue, Diego. Plaisir. Et je présente pour éventuellement les gens qui peuvent regarder cette transmission YouTube, Madame Zaira Sarsa, professeure adjointe au département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques de l'Université de Montréal. En tant que programmatiste, elle travaille au Festival international de films de Toronto et de Cartagène. Elle a aussi dirigé le Festival de cinéma de l'Association d'études latino-américaines, LASA, Boston 2019. En 2015, Zaira a fondé Roots and Roots, Cuban Cinemas of the Diaspora, un projet itinérant pour la promotion et circulation d'œuvres cinématographiques et médiatiques réalisées par migrants cubains. Et merci beaucoup, Zaira, pour nous accueillir dans ta classe. Donc, voici la structure de notre séance. Premièrement, Diego présentera les grands liens, lignes sur les fonds des médias du Canada et ses nouvelles actions visées pour les communautés sous-représentées.
Et après, Saya et moi, nous adressons quelques questions à ce sujet. Et finalement, on passera aux questions des étudiants. Et voilà. Donc là, cela dit, tout simplement, je voudrais introduire la thématique. Le Canada se caractérise par être une société multiculturelle, multiethnique et bilingue. Ces groupes représentés font partie essentielle du tissu social canadien, mais ils ont encore un avantage face à la production et face à sa propre représentation à l'écran. À mon avis, il y a deux dimensions importantes dans cette problématique. La première s'agit effectivement à l'accès au financement. Et la deuxième, c'est la question de la représentation de ces communautés à l'écran. Heureusement, de plus en plus, les nouvelles générations de producteurs de médias ont commencé à montrer ces communautés comme des gardiens des connaissances ancestrales, comme des agents d'échange, comme des décideurs, comme des intellectuels, artistes, bref, des leaders de plusieurs domaines. Mais il y a toujours des choses à faire pour rendre ces contenus plus accessibles et plus populaires. Justement, avec Joël, on parlait hier sur le film Je m'appelle Humain. Et qui a reçu les prix des jeunes publics des collèges comme meilleur film du cinéma québécois. Et donc ça, c'est magnifique. Mais il faut encore travailler là-dedans. Parce que du côté de l'industrie, ce n'est pas évident. Par exemple, dans les rapports de recherche des fonds de médias intitulés Reprendre autrement, on trouve les témoignages de Megan Byrne, conceptrice des jeux métis et fondatrice des Atimo Stawinan Games, qui a l'heure de lancer son jeu Cyber Noir dans les marchés internationaux, elle a vécu la discrimination de la part des intermédiaires du secteur. Je cite, un bailleur des fonds européens a même fait des commentaires au sujet de mon nom, de mon apparence, disant que j'étais pas facilement identifiable comme autochtone et qu'il ne savait pas que les autochtones de l'Amérique du Nord étaient encore vivants. Bien évidemment, le premier commentaire était désagréable et le deuxième irritant. Et donc, et une forte vague de mobilisation sociale, on a impacté l'instance de financement d'audiovisuel la plus importante au niveau fédéral, les Fonds de médias du Canada, qui est en train de créer une nouvelle politique. Et ceci, c'est un point essentiel parce que nous sommes dans un marché audiovisuel intégré vertical et horizontalement. D'ailleurs, Yves Thioré, dans son article, la concentration de la et la propriété mixte des entreprises culturelles des médias de l'information au Canada, citait une vision du groupe Lisbonne datée de 1995. Le modèle général qui émerge, écrit le groupe Lisbonne, à l'égard de l'ensemble de l'activité économique, incluant les communications, est celui d'une série de structures mondiales oligopolistiques qui représentent les dangers des pouvoirs donner naissance à des méga cartels mondiaux d'une puissance jamais égalée. Groupissement. Pareillement, nous trouvons cette notion de cartel comme modèle de fonctionnement dans les médias contemporains, dans la recherche d'André Gaudreau et Philippe Marion, qui explique comment la politique commerciale de la plateforme Netflix ainsi que ses stratégies et opérations sont très similaires à celles du système de trafic de la drogue. Selon eux, la société de Los Gatos en Californie n'a pas seulement acquis des différents contenus et des séries pour son catalogue, mais a également acheté au plus grand nombre des cinéastes pour réaliser ses propres productions originales. Diego, les choses ont beaucoup changé dans les contextes mondiaux depuis nos premières rencontres à La Rochelle lors du marché de Sunny Side of the Dock en 2013. Quel plaisir t'accueillir. Merci d'avoir accepté cette invitation. La parole, c'est à toi. C'est vrai, ça fait longtemps. On s'est rencontrés dans un festival, dans un marché en fait à La Rochelle. Donc, bonjour tout le monde. Je suis Diego Briseño. J'ai rien d'autre à dire. Toi, Katia, après ce que tu dis sur moi, et je suis quand même intéressé à interagir avec vous. Si je comprends bien, vous êtes un peu à la fin de vos études. Je me trompe pas, je pense. Et donc, j'imagine que vous êtes en train de visser les marchés du travail ou aller chercher de l'argent, ou peut-être certaines vont faire l'académie. Mais bon, j'imagine que la plupart d'entre vous souhaitaient faire des médias, des cinémas. D'ailleurs, c'est ça, je ne sais pas, entre vous, est-ce qu'il y a des gens qui pensent déjà à faire la télévision ou les nouveaux médias?
Levez la main si quelqu'un est déjà comme un peu aligné à faire la télévision. Donc, je pose la question parce que moi-même, j'ai fait mes études en cinéma il y a longtemps, les siècles passés. J'ai commencé en Colombie, j'ai fini mes études à Concordia. Puis à cette époque-là, on pensait seulement faire du cinéma. C'est rare les personnes qui faisaient qui pensaient même faire la télévision. Et puis, ça m'a pris même après mes études longtemps de me rendre compte l'importance un peu du milieu de la télévision en termes d'auditoire, aussi des viabilités économiques. Et puis, c'est là que je me suis arrimé un peu au fond des médias et c'est là que je suis maintenant, en tant que premièrement comme producteur, j'ai développé des projets avec l'argent du fonds des médias. Puis maintenant, je travaille au fonds des médias, donc je ne peux plus demander l'argent au fonds des médias. Mais je suis très curieux parce que beaucoup de gens au cinéma, au milieu, enfin, surtout universitaire, peut-être les gens qui sont plus en communication dans certains secteurs pensent plus à ça, mais la plupart d'entre vous pensez même pas au fonds des médias. Tout le monde connaît Téléfilm. Mais en fait, c'est le fonds des médias qui a plus d'argent au pays pour financer des projets. Le fonds des médias a un budget de 350 millions de dollars, tandis que Téléfilm a 900, non, 90 millions de dollars. Donc, c'est quand même, c'est plus que trois fois, quatre fois la quantité d'argent que le fonds des médias a. C'est clair que c'est un fonds qui est un peu plus commercial. Donc, c'est vraiment une équilibre très douce entre l'industrie et l'art. Donc, tandis que, évidemment, si on va au téléfilm, si on va au Conseil des arts, c'est vraiment l'art qui est vraiment la force de la chose. Mais je pense que pour vous, c'est intéressant de comprendre un peu l'écosystème. Moi, je suis là un peu pour vous introduire. Donc, je propose donc de faire deux parties. Une première partie, on va parler de façon très générale sur les fonds des médias. Je vais, avant ça, introduire un peu plus mon parcours. Enfin, je vais complémenter ce que Saïda a dit, même qu'elle a presque tout dit, mais je vais quand même vous donner certains indices un peu de mon parcours en tant que producteur et réalisateur et comment j'ai fait la transition peu à peu. En fait, j'ai commencé comme mentor. Donc, c'est vraiment un parcours juste pour vous donner une idée des différents parcours possibles pour vous, pour votre avenir. En sachant que ça a changé beaucoup, comme Zahida a dit, comme Cathy a dit, c'est vraiment différent aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans le milieu. Donc, je pense que ces deux choses-là, c'est ça. Puis la deuxième partie, excuse-moi, avant que ça finisse, on a moins d'une minute, ça va être sur vraiment l'équité et l'inclusion. Donc, tout l'enjeu des communautés surreprésentées dans les médias, on va vraiment se concentrer sur ça. Ça va être ça, les structures de ma présentation. On va faire des pauses pour les questions, pauses de l'eau à un moment donné. Mais c'est ça en général. Puis je vraiment souhaite que vous interveniez, profitez de ma présence et posez toutes les questions possibles pour le temps qu'on serait ensemble. OK? Donc, je vais tout de suite partager mon écran. Faites attention à vos yeux, c'est un peu choc. Est-ce que vous voyez? Oui? Oui, très bien. OK. Donc, c'est des couleurs assez flash. Donc, c'est ça. Si vous avez mal dormi, ça va vous réveiller. Voilà. Donc, comme je dis, je vais commencer un peu à parler du fonds des médias, un peu une ABC, une 101 des fonds des médias pour ceux qui ne sont pas au courant. Puis, je vais le faire à l'aide de la nouvelle plateforme, du nouveau site web qui vient d'être lancé il y a quelques semaines seulement, en fait, en fin de. Mi-février, c'était lancement, quelques semaines toujours. Donc, c'est la nouvelle identité visuelle, puis toute la nouvelle structure du fonds des médias récemment. Ah, j'ai des gens qui sont dans le waiting room. Excuse-moi, est-ce que tu devrais Oui, voir s'il si vous les autres. plaît, vous êtes le seul à avoir les pouvoirs ce matin, alors il faut laisser entrer les gens. OK, ça marche. C'est ça. OK, donc c'est multitasking au loin. OK, voilà. Donc, les fonds des médias du Canada. Donc, comme je dis, c'était l'ancien fonds de télévision. Avant, c'était appelé les fonds de télévision du Canada. Mais depuis une dizaine d'années, ça s'appelle les fonds des médias du Canada. Et puis, comme je dis, c'est son mandat central et d'origine, comme les noms le disaient avant, c'était financer la télévision au pays. Et graduellement, ils ont commencé à financer d'autres formes, sauf les longs métrages et les courts métrages. Les longs métrages et courts métrages, surtout fiction, restent toujours
l'autorité des téléfilms et bon, d'autres financeurs de chaque province. Mais évidemment, on connaît beaucoup téléfilms, qui est un peu notre phare de diffusion et financement pour les longs métrages. Oh, je continue à mettre les gens. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça aussi, je trouve que beaucoup des étudiantes sont moins au courant de ce qui se passe avec les fonds des médias du Canada. Mais je vous encourage fortement d'y réfléchir. Pourquoi? Parce que, bon, il a plus d'argent, puis c'est quand même une optique à plus long terme, quand même commerciale, dans le sens que ça finance vraiment des projets qui auront un impact, puis une haleine à longue durée, qui sont plus vissées vers les marchés domestique, international, et puis qui vont quand même générer, qui ont souvent des budgets, des revenus plus intéressants souvent que le cinéma. Encore, j'adore le cinéma, je suis une adepte comme vous tous au cinéma, mais je pense que c'est bien en tant qu'étudiant, surtout finissant, de voir un peu la réalité de la chose. C'est le site web, donc je vais juste faufiler pour, en tout cas, c'est comme une visite guidée, mais je vais me concentrer sur certains points. Je voulais faire quelque chose comme présentation, et je dis, ah tiens, je vais profiter pour vous présenter le site web qui est vraiment bien structuré. Actuellement, donc, je commence par qu'est-ce que les flashs là, les flash blues, c'est la consultation de l'industrie. Donc, le Fonds des médias fait chaque année des consultations. Donc, chaque année, ils révisent les systèmes de programmes. On est en train de faire des consultations en ce moment-là. Donc, après cette rencontre-là, à midi, je facilite une consultation nationale. Et cet après-midi-là, d'ailleurs, ça va être avec les communautés racisées. Donc, c'est vraiment des groupes de producteurs, productrices de partout du pays qui sont consultés par la haute direction du Fonds des médias pour savoir c'est quoi les nouvelles lignes qu'ils devraient prendre. Ça, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais actuellement, on est dans une pleine transition politique partout dans le pays. Et au Parlement, ils viennent de déposer une loi, une nouvelle loi, la loi C10, qui va signifier un changement quand même majeur à la manière que tous les médias vont agir. Donc, c'est pertinent pour vous parce que ça va avoir un impact sur la façon qui va tout va être financé à partir de l'année prochaine, je dirais, 2022-2023. Les choses vont changer beaucoup. Comment vont changer beaucoup? C'est surtout pour les fonds de médias, c'est on remet en question la centralité des télédiffuseurs. Que c'est une bonne chose, je trouve, parce que vraiment, qui entre vous utilise une souscription câble officielle ou qui regarde la télévision à l'ancienne? Je pense que très peu d'entre nous, on regarde la télévision comme il était, puis c'est un phénomène mondial. Donc, on ne peut plus se tenir au financement, puis dépendre 100% de la télé. On cherche des autres avenues. Puis actuellement, autant la loi que la réflexion interne au Fonds des médias, c'est comment on va aller vers un système toujours d'industrie des médias sans la centralité des télévisions. Donc, c'est vraiment une question intéressante. Surtout parce qu'évidemment, c'est facile à dire, ah oui, on va sauter sur Netflix, mais Netflix, comme vous savez bien, il n'est pas canadien. L'argent, les intérêts, la prise de décision, ça serait tout à San Francisco. Est-ce qu'on souhaite un système où les prises de décision vont faire à San Francisco? Pas certaines. mais les options ne sont pas évidentes non plus. Donc, on va réfléchir un peu ensemble. Et c'est ça la consultation. D'ailleurs, je ne vais pas m'étarder en ça, mais vous pouvez, tout le monde peut aller participer. Je vous encourage. Et les explications sont ici. Il y a un questionnaire en ligne. Si vous avez des points de vue, quitte à dire, j'ai une idée géniale pour maintenant, pour changer la télévision, pour les remplacer pour autre chose, pour financer plus de projets d'autres types. Si vous aimez, peut-être, vous voulez parler sur, si vous avez l'expérience en web-série, c'est quelque chose qu'on regarde beaucoup maintenant, les web-séries. Si vous avez des séries web, je pense que, et les séries télévisuelles, évidemment, qui sont très, très pertinentes. Si vous avez des idées sur les jeux vidéo, donc les fonds de médias financent aussi les jeux vidéo, des expériences immersives comme les VR, la AR, etc. Les applications, les plateformes, etc. Donc ici, vous pouvez aller, et c'est actif actuellement, donc vous pouvez aller n'importe qui, tu n'as pas besoin d'être une personne, un producteur chevronné pour participer, pour dire votre réflexion, au moins pour apprendre, pour lire quel type de questions qui se posent actuellement. Je pense que c'est pertinent. Mais je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Je vais aller plus de façon générale. Je vous invite aussi, il y a une section ici, futur et médias. Si vous êtes vraiment intéressé à voir qu'est-ce qui se passe dans les milieux
des médias, il a, c'est les nouvelles. On a une équipe de journalistes, de recherchistes qui sont tout le temps en train de chercher les nouveautés, qu'est-ce qui se passe, l'innovation dans la technologie, dans les pratiques, dans les nouveaux formats. C'est très à la avant-gardiste, un peu la veille, il appelle ça la veille stratégique, voir c'est quoi la prochaine tendance, le prochain impact dans les marchés, dans la technologie, dans l'industrie, dans les auditoires. Puis de plus en plus dans l'équité inclusion. Donc, comment on va intégrer une lentille, un focus inclusif dans toutes les décisions qui vont être prises, etc. Je ne vais pas m'étarder là. Tu as des nouvelles. Schitt's Creek, je ne comprends pas trop, mais c'est supposément un gros succès. Je n'arrive pas à embarquer moi-même, mais bon. Et puis voilà. Une chose avant que j'oublie, si vous êtes. Dès que vous sortez des études, même en avance, si vous voulez vraiment être au courant de ce qui se passe, je vous encourage fortement de vous inscrire à la liste d'envoi du Fonds des médias. C'est vraiment des informations pertinentes. Ben, évidemment, si vous faites du cinéma expérimental, peut-être moins, mais si vous êtes intéressé à la télé, si vous intéressez à plus les séries, des choses comme ça, c'est très, très pertinent parce qu'il a des programmes réguliers, il annonce aussi des incubateurs pour vous que c'est. Enfin, je pense que les jeunes, quand vous sortez de l'université, pensez maintenant, c'est quelque chose qui est de plus en plus vu, puis vraiment très utile. Ça rime à un incubateur, à des accélérateurs et incubateurs de projets. Et il y avait aussi des formations pour des productrices et des producteurs, différentes choses qui sont annoncées par cette voie-là. Donc, je vous encourage de vous inscrire et vous recevrez donc des nouvelles régulières. Mais en fait, aujourd'hui, pour cette première partie, je vais quand même me concentrer au programme. Donc, c'est vraiment pourquoi il est là, parce que c'est quand même 80% des gens qui arrivent sur le site web veulent comprendre les programmes. Puis, ce n'est pas tout le monde qui va, c'est un peu bizarre, ce n'est pas le langage qu'on est habitué à l'école à lire son programme de financement. Donc, je vais rentrer avec vous ici pour vous expliquer un peu la situation. Là, budget changement, je vais le montrer, ça va être mon point central à la fin. Je vais commencer par quelque chose qui est vraiment ABC pour juste vous donner les bases des fonds des médias. Les fonds des médias financent deux grands types de projets. Donc, il y a une qui s'appelle les volets convergents, qui est un drôle de mot. Les deux mots sont c'est très décevant. Donc, convergent, c'est un. Et le deuxième, c'est expérimental. Donc, convergent, qu'est-ce que ça veut dire convergent? C'est tout ce qui est lié à la télé. Basiquement, c'est le gros du financement du fonds des médias. Tout qui a besoin, basiquement, d'une licence télé. Donc, tu as besoin, pour appliquer à tous les fonds possibles à travers les convergents, tu as besoin d'une lettre ou souvent d'une licence. Donc, une licence, ça veut dire une télévision qui s'engage à payer pour ou à mettre de l'argent dans votre projet. Donc, c'est le gros du jeu. C'est vraiment là qu'on trouve la plupart des programmes. Donc, tous ces programmes, excuse-moi les couleurs, même moi-même, les roses, c'est un peu, j'ai la misère à lire entre ça. Mais, donc, on a, je pense, une vingtaine de programmes. Chaque programme est différent, mais c'est des programmes tous liés à la télévision. Donc, si vous avez un projet, puis on est capable de trouver une personne qui vous donne une lettre d'intérêt, un engagement, vous serez potentiellement éligible à un de ces fonds-là. C'est beaucoup de fonds, mais de façon très générale, c'est des fonds de développement ou des fonds de production. Pourquoi il y a autant? Parce qu'il y a des programmes qui sont spécialisés régionales, des programmes qui sont spécialisés pour les communautés autochtones, il y a des programmes de diversité linguistique, donc pour des personnes qui font des créations en autre langue que l'anglais, le français ou les langues autochtones. Et il y a des programmes spéciaux pour les enfants, il y a un programme d'exportation. Mais basiquement, vraiment, les gros du truc, ça serait souvent aller dans les programmes, donc, programmes de cinéma d'auteur, documentaire en anglais seulement. Pourquoi? On peut en discuter. Ce n'est pas moi qui ai décidé ça, mais il y a un programme de cinéma d'auteur, documentaire seulement en anglais. Et puis, des programmes de linguistique, donc des minorités, donc les francophones dehors du Québec et les anglophones à l'intérieur du Québec. Bref, c'est ça qui est là. Je ne vais pas rentrer vraiment en détail, je vais juste vous donner un regard sommaire. Donc, tout ça, c'est des programmes. Et vous pouvez aller dans votre propre temps à regarder.
En tout cas, c'est un peu lourd, c'est un peu technique, c'est un peu légal aussi. Donc, j'avoue, moi-même, la première fois que j'ai rentré là, c'est vraiment beaucoup des langages légaux, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible, le type de licence. Mais ça vaut la peine parce qu'il y a quand même, comme je dis, en jeu beaucoup d'argent dans ce système-là. Les programmes expérimentaux, qui peut être intéressant pour certains d'entre vous, c'est tout ce qu'on appelle médias numériques interactifs. Donc, si on rentre là, c'est beaucoup moins de programmes. Aussi, c'est moins de budget dans l'ensemble du financement du fonds des médias. On trouve donc des programmes, encore une fois, programmes de développement et production. En médias numériques, on parle de conceptualisation, prototypage et production. C'est vraiment les gros du truc. Donc, conceptualisation, c'est vraiment de l'idée du papier à une idée élaborée. Là, on parle des jeux vidéo, on parle d'expériences interactives immersives, on parle de quand même d'applications ou des plateformes, mais seulement dans l'univers du culturel. Donc, on ne peut pas mettre une application autre, non, c'est pas pour créer le prochain Tinder, non, c'est vraiment pour exemple, une application qui permettrait de trouver des contenus pour les enfants, tu vois, ou vraiment des projets qui ont un rapport culturel pour le Canada. Et ces programmes-là sont très sollicités, par contre, c'est ça qu'on voit actuellement, c'est qu'il y a la souscription au programme expérimental est énorme parce qu'évidemment, il y a moins d'argent que beaucoup de joueurs au pays, surtout au Québec. En fait, je dirais que Québec se démarque dans tous les pays en tant qu'un producteur très, très fort des médias numériques. Et aussi, c'est une place où on trouve une diversité intéressante aussi des personnes parce que quand même, vu que les portes de la télévision sont souvent très fermées, pour tout le monde, mais particulièrement pour les communautés surreprésentées. On trouve qu'il y a beaucoup aussi des diversités tranquillement qui s'alignent dans le programme expérimental. D'ailleurs, moi, en tant que producteur, j'ai réussi à quelques reprises à avoir l'argent à travers le programme expérimental. Pourquoi? Surtout parce que tu n'as pas besoin d'une licence télé. C'est ça le nerf du jeu. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir une télé qui te donne les signes, la bénédiction. Tu peux vraiment aller à un projet, tu peux démarrer un projet avec les soutiens des... Moi, par exemple, j'ai développé un projet qui était un sort de jeu vidéo avec... Donc, j'ai eu des lettres de différents organismes qui étaient vraiment... C'était un jeu environnementaliste, donc un peu écologique. Donc, j'ai eu des lettres de la Fondation David Suzuki, j'ai eu des lettres d'autres choses. Donc, on doit compenser par le fait de ne pas avoir un déclencheur télévisuel par les soutiens. Il faut démontrer. Mais c'est pour ça que je parle à vous comme ça, parce que c'est ça qui va être un peu le nerf du jeu, c'est trouver des alternatives, assurer quand vous cherchez du financement que vous avez un public. C'est ça vraiment actuellement le nerf du jeu, c'est est-ce que vous êtes capable d'attirer un public, les fameux eyeballs en anglais. C'est ça qui devient maintenant essentiel. Est-ce que vous avez une chaîne YouTube depuis 6 mois, puis vous avez réussi à avoir 10 000 personnes? Ça vaut égal aujourd'hui, même des fois plus, qu'avoir une petite lettre d'une chaîne qui n'a pas beaucoup d'argent. Toi. Donc, c'est ça qui est comme la transition qu'on vit actuellement. Et avant donc, ça, c'est les gros trucs, en sachant que la grande partie de l'argent part en convergent, une petite partie en expérimental, mais on voit dans l'avenir, je vois tout de suite qu'il y a une évolution vers de plus en plus d'éléments expérimentaux. Expérimental, évidemment, c'est un mot bidon, parce que les gens pensent que c'est pour le cinéma expérimental. C'est plus la notion d'innovation. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à expérimental? Moi, je dis souvent, c'est un peu, on cherche la formule magique de faire l'argent, puis concourir avec... dans ce monde numérique évoluant, il y a des gens comme Katia qui font des tests dessus, c'est vraiment comment on maximise notre impact dans ce nouveau environnement. Donc, on appelle expérimental parce qu'on a, sincèrement, on n'a pas vraiment une formule. Bon, les jeux vidéo, je dirais qu'ils sont plus proches à une formule financière, mais toujours une formule pour faire une modèle canadienne innovante qui vraiment est consommée par les Canadiennes
on est toujours vraiment en phase expérimentale pour être capable de remplacer la télévision un jour. Avant de finir de ce côté-là, c'est très simple. Ici, c'est 101 de comment faire une demande. Ce n'est pas facile, mais je vous dis, c'est toute moi, chose en tant qu'immigrant, c'est toujours étonnant de voir combien de choses sont vraiment mises sur la table, sur la tablette en ligne. Ici, il y a énormément de ce n'est pas pour dire que c'est facile, mais l'information est là. Puis si jamais vous avez des problèmes, vous pouvez téléphoner. Il y a tout un système. On a une équipe de gens qui font vraiment la consultation. Et on peut les appeler, demander des questions. Ça se fait, puis tout le monde répond sans problème. Et avant de finir, deux points très, très intéressants. Aspect, mesure incitative internationale. Moi, la plupart de l'argent que j'ai reçu, c'était par cette mesure incitative internationale. Et qu'est-ce que ça veut dire? Que le Canada, mais les fonds des médias vont encourager la coproduction, une pénurie des coproductions. Tu vois, le Canada est comme isolé un peu. Ça fait longtemps qu'on produit, entre nous, puis on est un peu. On se cannibalise un peu, on sort peu. À l'étranger, vraiment, à faire la coproduction ou vraiment la collaboration. Tu vois, en Europe, ça se fait beaucoup plus. Bon, les Américains ne le font pas, mais bon, c'est parce qu'ils ont... Tu vois, c'est les Américains. Mais l'Europe le fait énormément et ça marche beaucoup en Europe. Au Canada, par contre, on a beaucoup d'obstacles, puis on n'a pas une culture de faire la coproduction vraiment bien fait, égal, régulier. Et c'est aussi beaucoup, j'ai entendu récemment les télévisions directement dire que, ah oui, par exemple, en français, les publics québécois n'aiment pas les coproductions parce que ça semble quelque chose de l'étranger, parce que peut-être il a un accent de quelqu'un, toi qui parles avec un accent français de France, ou des, j'imagine, je ne pense pas qu'ils ont essayé avec ils parlaient et pas d'une coproduction avec le Sénégal, mais je pense qu'il fallait plus faire une coproduction en Belgique ou en France. Mais la réalité, c'est que pour nous tous, pour les gens qui veulent créer des médias, c'est pertinent. On ne peut pas concourir avec les Américaines toutes seules. Il faut vraiment s'allier à des différents pays et aussi profiter de ces coproductions-là pour exploiter des nouveaux marchés. Donc, je trouve que c'est très pertinent. Et c'est des programmes plus souples parce que, je vais l'ouvrir un instant, c'est des programmes où il y a moins de concurrence. C'est avec différents pays. Donc, il y a une liste limitée de pays avec lesquels, mais c'est vraiment des gens seulement de ces deux pays qui peuvent faire affaire ensemble. Moi, j'ai réussi à faire déjà une coproduction avec l'Allemagne, qui n'est pas là. Est-ce qu'il est là? Ah, Berlin, oui, c'est ça. Avec Berlin, j'ai déjà fait un projet avec Berlin. J'ai fait un projet avec le Brésil. Puis j'ai fait un projet avec la Colombie, avec ces fonds-là. Puis c'est... Il y a moins de concurrence, c'est ça. Je vous donne les tips. Si vous avez une amie, des gens qui travaillent dans un de ces pays-là, à chaque année, et des fois même dans l'année, il y a des pays qui s'ajoutent. Donc, il faut être attentif. Peut-être que vous avez un projet. C'est clair que c'est difficile juste de trouver des projets qui fit, qui sont pas juste forcés à faire coproduction, ce qui est vraiment quelque chose qui est naturel. Mais je quand même vous encourage de regarder ça aussi. Mais je vous dis, si... Vous voulez vraiment comprendre les fonds des médias et ça m'a pris du temps à l'intérieur du fonds des médias pour trouver quelque chose qui m'expliquait vraiment nettement comment ça marche le fonds des médias. C'est un peu comme tout dans le capitalisme actuel, follow the money, non? Où est l'argent? Je vous invite donc à voir cette petite onglet ici. Vous voyez quand je souligne ici l'onglet ventilation du budget. Donc même le mot ventilation, on ne sait rien. C'est vraiment un terme comptable. Mais je vais l'ouvrir, j'espère que ça va suivre les liens. Ça suit? Ouais. Oui. Vous voyez une page linéaire. Donc, cette page-là, c'est vraiment, pour moi, ça explique, vous pouvez faire une étude analytique sur cette page-là toute seule, vous pouvez faire une examen, hein, la prof, parce que tout expliqué, c'est de façon très numérique, c'est un peu aride parce que c'est vraiment la... L'argent, on est des artistes, on ne va pas parler de l'argent, mais pas le choix aujourd'hui, on va parler de l'argent. Donc, on va s'approcher un peu. Est-ce que ça s'approche, oui? Vous voyez plus proche? Oui. Donc, ça, c'est pour les 2021, avec les vieux logos. Donc, c'est ça. Avant, tout était orange. Quand j'arrivais, en passant, c'était tous les papiers, tout était orange avec orange avec orange. C'était un peu... troublant. Maintenant, tout est bleu, 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 mais bon, c'est une variété.
Donc, l'argent, comme je dis, le fonds de médias a 352 millions, avait l'année passée 352 millions dollars et quelques. Et puis, ici, ça explique comment est utilisé cet argent-là. Donc, dans le premier lieu, à haut, on a les programmes spéciaux. Donc, les programmes spéciaux, c'est vraiment des créneaux spécifiques qui ont été créés pour servir certains besoins. Donc, les programmes autochtones, qui sont un des plus vieux programmes spécifiques du Fonds des médias, ça fait déjà, je ne veux pas me tromper, mais c'est plus de 10 ans qui existe, qui quand même est une priorité. Avant d'aller, en fait, je voulais juste dire, excuse-moi, j'ai une note ici importante à vous dire, c'est clair qu'une chose aussi que les gens ne comprennent pas, c'est que le Fonds des médias n'est pas un fonds public. Est-ce que ça vous étonne? C'est pas public purement. Les gens pensent que ah oui, c'est le fédéral. Oui, c'est un peu le fédéral, mais c'est pas directement considéré une société de la couronne. Donc c'est important de savoir. Et Téléfilm, c'est une société de la couronne. Et le Conseil des arts du Canada, c'est une société de la couronne. Le Fonds des médias n'est pas une société de la couronne. Le Fonds du Canada, c'est un partenariat entre les entreprises privées puis le gouvernement fédéral. Donc, les entreprises privées, ça veut dire les câbles diffuseurs du pays, donc les fameux Bell, et Videotron, et Cogeco et tous les autres. Ce n'est pas beaucoup d'autres parce que c'est quand même, on est dans un monopole assez, assez féroce au Canada. Une autre maîtrise à faire, quelqu'un qui veut rentrer dans les études. Pourquoi et comment on arrivait à un monopole quasiment une absolue, parce qu'on est monopole, pas juste des gens qui sont propriétaires des télés, mais sont propriétaires des cellulaires, et sont propriétaires de l'Internet, et sont propriétaires, en tout cas, c'est assez intensif. Si vous comparez avec d'autres pays, il y a peu de pays au monde qui sont aussi concentrés que le Canada. Bref, mais bon, ces grands groupes-là financent environ 50% du budget du Fonds des médias, et environ 45% du restant est du fédéral. Cette mesure-là a changé avec les temps. Avant, c'était beaucoup plus les télédiffuseurs. Et avec la perte de revenus, et c'est le gouvernement fédéral qui est dû rentrer complémenter de plus en plus. Puis on s'aligne bientôt pour avoir s'approcher de plus en plus vers les 50%, voire même que le fédéral doit financer plus de la moitié. Et c'est ça un peu un des problèmes actuels qu'on vit. J'ai un chat qui est à côté de moi, qui veut parler, mais ça va. Donc, voilà, juste, je reviens à ma fameuse feuille, à la feuille ici. Autochtones, donc ça existe, évidemment, c'est pour les personnes autochtones, pour des compagnies qui sont contrôlées majoritairement par des producteurs, productrices autochtones, et puis qui ont des équipes aussi, qui sont doutières des équipes autochtones. Le piège ici, c'est que... il doit absolument enregistrer puis faire des contenus en langue autochtone. C'est que, ironiquement, mais c'est une obligation par le gouvernement fédéral, mais ça fait un piège un peu parce que, et c'est quelque chose que j'ai appris dans mon travail au Fonds des médias, c'est qu'il y a beaucoup de communautés qui se plaignent parce qu'il y a beaucoup de communautés qui ont qui parlent plus leur langue, et oui, ils aimeraient bien parler leur langue, mais ce n'est pas le cas, puis ils sont pénalisés, donc ils doivent faire des projets en autre langue autochtone, la langue de leurs voisins, pour être capable d'être éligible, donc ça ne fait pas bon sens. Donc ça, il y a beaucoup de ça au Canada, tu vois, des règles que les producteurs et les productrices doivent contourner pour faire leur contenu. Il y a des partenariats nationaux, c'est en général des partenariats avec Cogeco, avec différentes choses, donc il y a des programmes particuliers. Les mesures incitatives internationales, c'est ça qu'on a vu, donc 2,5 millions de dollars pour des incitatifs, c'est vraiment, ça marche. Et Fonds des médias met 50%, l'autre pays met 50%, puis avec cet argent-là, ils financent des projets, surtout en développement. Diversité linguistique, comme je dis, c'est pour des projets qui ne sont pas ni en français, ni en anglais, ni en langue autochtones. Par contre, c'est un peu, ça marche plus ou moins, je dirais, parce qu'on a essayé, puis c'est parce que c'est très contrôlé, parce qu'on a besoin de licences télé, puis il a juste 3-4 chaînes télé au pays qui sont vraiment fonctionnelles. Il a un certain monopole, c'est un peu un népotisme interne, j'avoue.
qui ont récente, c'est ça, les commentaires généraux qui ont reçu des productrices et des producteurs du milieu récemment, c'est que l'argent ne circule pas nécessairement dans plusieurs communautés, ça reste dans certaines communautés, puis ça reste un peu un cercle fermé pour vraiment créer des contenus pour ces chaînes-là spécifiques, puis pas vraiment pour produire des projets très divers pour d'autres milieux. Mais en même temps, c'est bien de l'avoir, c'est intéressant. Je trouve qu'il y a des projets qui sortent de là, puis quand même, c'est une des seules voies que beaucoup de communautés racisées ont pour faire des projets télé. Et donc, c'est quand même bienvenu à l'avoir là. Mais quand même, c'est vraiment un petit montant parmi les grands montants. Après ça, on a vraiment l'exportation, on peut comprendre ça. Un programme Wild Brain, c'est pour les enfants. Donc, ça, c'est vraiment la partie des programmes spéciaux. Mais je veux juste amener votre attention au gros du truc, c'est vraiment la division donc, du gros de l'argent. Vous voyez, c'est toute l'argent qui est là. C'est l'argent pour, donc, qui est divisé deux tiers, un tiers français et anglais. Ça, c'est intéressant pour vous savoir parce que quand même, il y a une certaine... minimal avantage côté français. C'est clair qu'il a beaucoup de production québécoise, donc ce n'est pas pour dire qu'il n'a pas de la concurrence, mais quand même une certaine argent qui est réservé pour les deux marchés linguistiques, et c'est bon de le savoir. Mais après ça, on tombe, puis on voit la division expérimentale dans les deux langues, et c'est quand même sur le montant, c'est 14 millions d'un côté, 29 millions de l'autre, mais c'est quand même réduit comparé au gros de l'argent qui part au convergent. Donc, comme on avait vu avant, des projets qui sont liés à la télévision actuellement. Et là, on voit donc qu'il y a des programmes qui sont assez parallèles, développement, production, puis après ça, des productions qui sont comparables, mais ne sont pas identiques dans les deux langues. Juste souligner, par exemple, c'est ça. Il y avait les incitatifs pour les langues francophones en milieu minoritaire, puis les anglophones en milieu minoritaire, etc. Les primes pour la production régionale, c'est vraiment des incitatives, donc des bonifications à l'argent qui sont dans les régions. Mais encore là, je vous amène l'attention au bas de la page. Donc, ces deux carrés-là, parce que vous voyez les bas de la page, je ne sais pas si vous voyez mon curseur. Oui, c'est bon. Donc, enveloppe de rendement. Donc, ça, c'est un langage qui, pour la plupart d'entre vous, même pour beaucoup de producteurs, même en début de carrière, c'est un peu étrange. Qu'est-ce que ça veut dire, enveloppe de rendement? Et comme vous voyez, c'est le gros du truc. C'est vraiment l'argent qui est... Toi, 100, on parle de 100, 153 millions de dollars du côté anglophone, puis... 76 du côté francophone. C'est compliqué de lire, mais c'est basiquement trickle down. On a l'argent ici, mais quand même, c'est aussi au fond du baril, littéralement, qu'on a les plus gros montants de l'argent. Qu'est-ce que c'est les enveloppes de rendement? C'est ça la question. Donc, les enveloppes de rendement, c'est les enveloppes qui sont allouées aux chaînes de télévision directement. Dans le sens, pas directement, mais c'est eux qui contrôlent, c'est eux qui décident. Donc, la plupart des chaînes, pas tous, mais environ 25 chaînes de télévision dans les deux langues, ont accès à ces enveloppes de rendement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'ils peuvent bonifier. Donc, s'ils décident de soutenir un projet, ils peuvent pas juste donner leur licence, mais il peut demander, donner la permission au producteur d'aller toucher à l'enveloppe des rendements de cette chaîne-là. Donc, chaque chaîne, à chaque année, est évaluée pour voir combien d'argent il reçoit. Puis, c'est comme ça qu'il se finance. Beaucoup des grandes productions sont financées comme ça. Donc, les différents projets qu'on voit à la télé, autant en français qu'en anglais, sont financés à travers ce financement. Mais, c'est ça, le piège, c'est que c'est vraiment c'est pas juste le téléviseur qui donne la licence, mais c'est eux aussi qui décident à quel projet allouer cette enveloppe de rendement. Donc, c'est quand même, il a beaucoup de pouvoir toujours, comme on voit bien, dans les mains des grands télédiffuseurs. Donc, écoute, ça, c'est pour moi intéressant, mais c'est ça. Ça veut dire qu'il faut avoir une relation avec les télédiffuseurs, avec les personnes, les décideurs dans ces chaînes-là, actuellement.
comme je dis, ça peut changer dans l'avenir, mais pour l'instant, ça passe beaucoup par des relationnels. Il faut savoir où sont, comment, quel type de projet ils financent, à quel moment de l'année aller les solliciter, être dans les bonnes rencontres, dans les bons marchés, dans les bons parties, pour vraiment développer des relations. Encore là, c'est un piège pour peu à peu s'aligner vers l'enjeu d'équité et inclusion. C'est un problème qu'on vit, évidemment, les communautés sous-représentées, parce qu'on n'est pas, quand tu es un immigrant, quand tu es une personne d'un groupe qui n'est pas nécessairement dans le cercle, disons, privilégié des gens qui se côtoient, tu n'as pas de contacts, tu n'as pas de ressources, tu n'as pas des amis au cégep qui ont devenu exécutifs quelque part, c'est plus dur dans un système comme celui-là, et c'est un peu la source de la malaise actuelle qu'on vit avec la manque de diversité. Parce qu'on doit passer par ce système-là pour vraiment trouver notre argent. Et puis, les portes sont, comme je dis, oui, on a plein de petites portes, mais les grandes portes sont vraiment là. Et voilà, et c'est ça le défi qu'on a tous. Est-ce que ça va pour l'instant? Oui? Est-ce qu'on n'est pas ennuyé? Oui, merci beaucoup, Diego. C'est vraiment intéressant. C'est basé sur la pratique et ça, je pense que ça donne une autre dimension. Et puis, tu peux continuer vers la partie des sous-représentations. Là, on est en temps, mais on va te laisser parler plus sur ces thématiques, bien sûr. OK, ça marche. Mais est-ce que vous avez des questions? J'aimerais savoir si vous avez des questions. Je ne vois pas tout l'écran, donc, mais parce qu'avant de bouger, parce que c'est quand même... en tout cas, je vais ouvrir ma fenêtre. Est-ce que vous avez des questions comme général, fonds de médias, comment ça marche? Si vous avez quelques questions, la pause va me permettre de réfléchir. J'avais comme un plan, puis je l'ai adapté à fur et à mesure, mais c'est ça. Je pense qu'on va peut-être deux, trois choses à complémenter sur ça, qui, comme Cathy a dit, par la suite, on va se plonger sur le dossier équité et inclusion. Mais pensez à vos questions. Hein. Je ne suis pas ici tous les jours. Je sais que vous n'êtes pas en train d'appliquer au fond, mais c'est quand même très important. J'aurais bien aimé savoir ça avant de quitter mon école. Moi, quand j'ai fait mes études en cinéma, j'aurais bien aimé ça. C'est comme, ah, OK. Pensez à qui peut appliquer, c'est quoi les conditions. Et est-ce qu'on peut appliquer toute seule? Quel type de projet? En tout cas, je pense que... Pensez à vos propres projets, à vos propres idées, puis voir s'il y a quelque chose qui, déjà, si c'est des hypothèses ou des gens que vous connaissez qui sont déjà dans le système, voir si vous avez des questions. OK? Mais je pense que c'est ça. Comme Joël a dit... La semaine prochaine, l'exercice de fin d'études des étudiants, c'est la simulation d'un pitch. Donc, et la simulation d'une demande... à fond québécois surtout et canadien. Donc, pensez à vos questions pour vous préparer pour la semaine prochaine. J'avais deux questions en fait, Diego, mais peut-être on la répond à la fin. Mais j'étais curieuse parce que je viens d'apprendre, je ne savais pas que comme la grande quantité d'argent qui va directement aux institutions, aux télédiffuseurs. Et je sais que tout le monde est en train de repenser la situation EDI dans les différentes institutions. Mais est-ce qu'il y a, peut-être c'est quelque chose plus lié à la deuxième partie de ton intervention, mais est-ce qu'il y a une relation, un type de collaboration? Est-ce que tout le monde est sur la même page par rapport au changement, à la transformation nécessaire EDI dans les institutions? Est-ce que les fonds de médias et les différents télédiffuseurs se communiquent par rapport à ça, par exemple? Et l'autre question est, comment es-tu devenu consultant? Pourquoi ça te tient à cœur? OK, ben ça, je vais profiter pour répondre. Je pense que c'est un bon segue, comme ils disent en anglais. Ça ira. Mais d'un côté, c'est ça. Comme vous avez vu, évidemment, j'ai profité que Cathy avait comme introduit mon parcours pour un peu sauter des étapes. Mais non, j'étais producteur. J'ai une maison de production pendant 8 ans. Ça s'appelle Périphéria, ça existe toujours, mais j'ai quitté, j'ai cofondé une coopérative.
J'étais impliqué dans des projets de pitching. J'étais formateur de pitching pendant quelques années. Et en parallèle que j'ai fait mes projets. Puis c'est... En tout cas, donc j'étais un peu producteur, un peu instigateur, producteur. j'ai porté beaucoup de chapeaux. Et puis c'est là que l'année passée, dans le contexte mais COVID, puis, mais surtout qu'est-ce qui arrivait l'été passé avec George Floyd, Black Lives Matter, il y a eu, moi je suis toujours étonné à quel point ça a impacté les planètes, les continents, tout le monde. C'est vraiment juste à cause de ça, je dirais, ma poste est créée un peu de façon directe ou indirecte grâce à cette situation-là, malheureusement, à la mort de George Floyd, dans le sens qu'il y a une sensibilité accrue, soudain, au niveau fédéral, qui a permis aussi au niveau des institutions pour faire quelque chose rapidement. Donc, il a eu le besoin de créer une stratégie, de consulter avec les communautés qui n'avaient d'ailleurs jamais été consultées. Donc, ils ont commencé avec la consultation et rapidement, s'est rendu compte que, bon, c'était pas, peut pas être juste des personnes blanches qui consultent des personnes des communautés racisées. Que moi, je suis pas contre, mais en même temps, c'est clair que quand tu parles d'un problème, puis tu regardes au miroir, puis le problème est interne, il y a un problème. Donc, ils l'ont interpellé. Donc, on est en septembre de l'année passée. Ils ont fait un appel à chercher quelqu'un. Moi, je ne pensais pas, je suis un producteur, mais ils cherchaient spécifiquement un producteur d'une communauté racisée et qui était intéressé à faire un peu la penser à la quitter inclusion. Donc, j'avoue que c'est beaucoup ma femme qui m'a dit, mais c'est toi, c'est parfait. J'étais comme, oui, vraiment. Donc, je dis, OK, oui, OK, je vais. Mais c'est intéressant, c'est vraiment. Moi, je dirais que mon point de vue, c'est clair que qu'est-ce que j'ai vécu le pire, c'est oui, j'ai eu des incidents de racisme mineur. Je ne dirais pas que ma carrière a été affectée explicitement. C'est clair que le racisme systémique, c'est très doux, c'est très souterrain. Mais je dirais que c'est plus ma fille, j'ai une fille de 15 ans, qui a vécu des situations de racisme à son âge, quand elle avait comme 10, 11 ans, ses amis. Encore, on peut dire, ah oui, c'est des enfants, mais c'est quand même, ça dit quelque chose, c'est qu'il appelle des noms, à cause de sa couleur de peau. Puis encore là, la couleur de peau, c'est ça, on est métissé, on est un peu... Puis je dis comme, mais voyons, on est loin de résoudre ces problèmes-là. On dirait, en 2020, quelque chose qu'on s'appelle des noms à cause de ça. J'ai trouvé ça incroyable, bizarre. C'est là que j'ai donc formé un comité de diversité dans l'école de ma fille. Et puis j'ai vu commencer à voir tous les cas de différentes personnes. J'étais comme, mais voyons, ça arrive. C'est dans une école au plateau avec des parents supposément éduqués. Puis plein de situations de racisme entre enfants. Puis je vais dire, si c'est les enfants, toi, c'est pas juste les enfants, non, il n'apprend pas ça, c'est pas spontané, ça sort de quelque part. Donc c'est vraiment de là que j'ai pris mon haleine un peu de vouloir regarder la situation. C'est clair que mon mandat est au-delà des communautés racisées, on regarde des communautés de diversité de genre et d'identité sexuelle, on regarde la question des personnes en situation de handicap, on regarde les minorités religieuses, qui est tout un enjeu au Québec, évidemment, on regarde les personnes qui sont en région, on regarde toutes sortes de choses, mais c'est clair que depuis l'année passée, il y a une question centrale à sur l'enjeu du racisme systémique dans le système. C'est bon? Ça ira? OK. OK, donc je vais passer Mais c'est ça, c'est une très bonne introduction à l'enjeu. Puis bon, je voulais quand même faire cet ABC un peu du fond des médias que j'espère vous sert. Et juste pour vous donner un peu l'ensemble, puis je voulais finir vraiment sur cet enjeu-là de l'accessibilité à l'argent. Puis comment on s'attaque à cette problématique? C'est très compliqué, je dirais tout de suite. Mais c'est clair qu'on parle d'un système, comme je dis, j'ai donné quelques pistes, très, très contrôlé, très consolidé. Donc, il y a un monopole assez extrême. Donc, il y a très peu de personnes qui décident sur l'ensemble de notre
notre écologie numérique dans le pays. Et c'est dit littéralement des personnes, c'est des individus, les décideurs, c'est vraiment des gens qui fit dans une table dans tout le pays. Ce n'est même pas les propriétaires, c'est quand même les propriétaires ont créé des groupes qui sont vraiment les experts et qui décident tous les contenus qu'il y en a. Et donc, on vit depuis longtemps donc, dans un système très, très inégal par rapport, je pense que ce n'est pas une surprise pour vous, nos écrans sont assez homogènes, monotones. Ça s'améliore, je pense que je suis encouragé, je pense qu'on va de mieux en mieux, mais je n'ai pas encore trouvé la cause profonde. Je pense que oui, on peut tous soupçonner de différentes causes, mais je pense qu'on a... Au Québec en particulier, on a quand même vécu une période de, je parle d'une grande noirceur dans les médias, dans le sens que, où il y avait vraiment une exclusivité, vraiment un niveau de copinage, puis d'exclusivité entre certains producteurs. Mais, pas de mauvaise foi, c'est des collègues, c'est des gens qui ont quand même fait des beaux travaux, mais quand même, derrière la question identitaire québécoise, c'est clair qu'il avait, il avait toujours une fierté de la production québécoise, mais aussi d'une mise en question de qui sommes-nous, qui est une Québécoise, qu'est-ce qu'une production québécoise, qu'est-ce qu'une artiste québécoise, c'est quoi un film québécoise. Donc, je pense que pendant une période de temps, il avait comme une certaine invisibilité. Je ne pense pas que c'était de façon explicitement méchante, c'est juste... oui, c'est nous, les gens qui sont devant moi, mes amis, mes voisins, les gens qui ont connu, puis pendant longtemps, donc elle avait beaucoup, beaucoup d'obstacles pour d'autres personnes qui ne ressemblaient pas à la norme de rentrer dans le système, puis ça crée un retard même vis-à-vis les restes du Canada, dans le sens de la diversité et l'inclusion. Encore, le problème est toujours partout. Et quand j'ai arrivé, donc en septembre, ma première question, c'était bon, parfait, il y a un problème de manque d'inclusion, d'exclusion en fait. Je dis, mais montre-moi les chiffres. Puis la réponse est, oups, on n'a pas de chiffres. C'était comme les plus grands fonds du Canada qui gèrent tout et on n'a pas de chiffres. C'était assez réel. Donc en septembre, j'ai pris la tâche moi-même d'évaluer les financements récents. Heureusement, pour l'argent, donc, à cause de la COVID, il a eu du soutien du fédéral, donc l'argent supplémentaire pour pallier à la situation financière de beaucoup d'entreprises. Et donc, beaucoup d'entreprises ont reçu l'argent, mais c'était la première fois, avant que j'arrive, qui ont posé, la première fois depuis l'existence du Fonds de Médium, qui ont posé la question de l'identité. Donc, c'est vraiment la seule source que j'avais d'informations. Donc, donc, j'ai profité de cette occasion-là. Donc, c'était environ 65 millions de dollars qui ont été donnés aux producteurs et productrices partout dans le pays, en général. Donc, j'ai pris ça, puis c'est la première fois qu'ils demandaient la question. Puis la question, c'était, êtes-vous membre d'une communauté des minorités visibles. Donc, c'est le terme fédéral qu'on n'aime pas trop, je pense, si vous l'aimez, mais ce n'est pas trop chouette. Mais voilà, ça va, c'est le terme fédéral. Et puis, dès ça, j'ai pu me rendre compte que seulement 7,4% de l'argent donné en aide allait à des personnes qui s'identifiaient sous-représentées. Des communautés racisées qu'on appelle maintenant, donc à ce moment-là, minorité visible. Donc 7,4, c'est bas par rapport à la démographie, c'est clair. Puis après ça, j'ai fait les tri en plus entre côté anglais et côté français, puis c'était encore plus dramatique. Donc dans le marché francophone, on était à 1,9% de l'argent qui est allé à des personnes qui s'est identifiées des communautés racisées. Dans le côté anglophone, on parlait plutôt, dans le marché anglophone, on parlait de 10%. Donc, vraiment, il y a un écart énorme entre les marchés francophones et entre les deux marchés linguistiques. Donc, c'est de là un peu la priorité. C'est pour ça que j'ai été invité. On est deux personnes. Donc, ma collègue qui s'appelle Tamara Dawit, il est basé à Toronto, une femme noire à Toronto pour les marchés anglophones. Et moi, je suis ici à Montréal
pour les marchés francophones. Puis je dirais aussi beaucoup aussi avec les médias numériques, parce que bon, c'est un peu les territoires où j'ai produit mes derniers projets. Donc, j'avais quand même un peu un pied aussi dans les médias numériques, qui est aussi à cause qu'au Québec, c'est très, très fort les médias numériques, les jeux vidéo, l'expérience VR, etc. Donc, c'est ça. Donc, c'était le premier vraiment aperçu qu'il y a eu de la situation. Juste pour vous dire, c'est réel. Le problème est réel, il est là, il est chiffré. Mais le problème actuellement, c'est comment s'attaquer à la solution. Donc, pour continuer, donc c'est ça. Donc, il y a un problème de données. Donc, je me suis donné la priorité d'aller chercher des données. Donc, l'année passée, on a donné de l'argent. On a créé un programme, grâce encore là à une aide du Fonds fédéral. Donc, on a créé un programme pour aider les productrices et les producteurs issus des communautés racisées. Encore là, on a fini pour tomber sur ce terme des communautés racisées. Certains qui ne l'aiment pas, mais bon, c'est le terme qu'on utilise actuellement. Moi, j'ai fait beaucoup de recherches, puis on est là pour l'instant. On verra dans 6 mois si on tombe sur un autre terme. Puis, grâce à cette aide, donc on a été capable d'aller donner environ 6 millions de dollars très rapidement. C'était vraiment la folie. On a dû créer un programme, puis vraiment faire un appel à projet pour toutes les maisons de production qui appartenaient majoritairement à des personnes des communautés racisées. Puis, on a donc donné cet argent-là. Donc, on a réussi à aider 169 entreprises. 168, mais 169 applicantes. L'argent est parti. C'était un programme premier arrivé, premier servi. Donc, c'est parti en 24 heures, juste pour vous dire la demande. Donc, c'était pour des maisons de production qui appartenaient à des personnes des communautés racisées. Puis, j'ai réussi à intégrer dans le contrat des financements, les devoirs, la mission de remplir un questionnaire, donc un sondage. On appelle questionnaire pour les rendre un peu plus... Je voulais les rendre un peu plus, encore plus... que ce ne soit pas juste un sondage, tu vois, qu'on fait... c'était vraiment une des points importants de leur contrat. Donc, on a réussi quand même à avoir un taux de réponse assez important. Et je veux partager avec vous certaines des premières, c'est vraiment une petite exclusive sur un peu les résultats de ce sondage-là avec vous. Mais avant ça, je veux faire un petit exercice avec vous, juste pour vous réveiller. Donc, je vais partager mon écran. Tout. Vous voyez bien? Parfait. Donc, je vous demande tous, Joël, tu es bienvenue aussi à remplir cette... donc, vous allez au site menti.com et vous rentrez cette code-là, qui est là, avec vos téléphones. Ça marche, en fait, c'est très adapté au cellulaire aussi. Donc, vous pouvez rentrer cette code-là. Puis, je vous demande sincèrement, en tout cas, c'est pas on n'est pas en train de faire une étude de statistiques ici, mais... De ces termes-là, est-ce qu'il y a des termes que vous considérez, si vous êtes obligé, en guillemets, de vous auto-identifier, est-ce qu'il y a un de ces mots-là, ou pas, qui vous identifiez? Voici. Plus de monde. En tout cas, je vais laisser un petit montant. Super. On est là, je pense, à peu près. Je ne compte pas les têtes, mais je pense que ça te donne une idée. C'est parfait. C'est bon, oui. Je vais passer à la prochaine. Donc, ça, c'est une. Donc, on a un indice de ça. Laisse-moi juste, je vais prendre une petite photo pour les garder. Clic. Et je passe à la prochaine. Oh, excuse-moi, ici. Pourcentage. Et ici, donc encore, je ne sais pas si ça a changé dans votre propre système. Au-delà de ça, quel terme vous préférez? Là, je vous avais donné une
une liste limitée de termes, mais là, si vous êtes vraiment la liberté entière de vous identifier vous-même, et je vous donne trois possibilités, donc trois termes, ça peut être d'autres termes, ça peut être d'autres choses qui ne sont pas liées à l'origine ethnique ou culturelle. Donc, et voici, commencez à ajouter des mots, trois mots ou un mot, pas besoin de faire trois. Tienne, qui serait ça? très bien. Super. Intéressante. J'adore. Oh, c'est super. C'est magnifique, hein? Wow. Ouais. C'est très bon. On est bon, en effet. Et donc, c'est super. Donc, je vais prendre aussi une photo, je vais partager avec les groupes par la suite. Si. On est bien. Est-ce que tout le monde a participé? Oui, je pense que oui. Je pense qu'on a quand même. Je vais juste prendre une petite. Excuse-moi. Pourquoi ça fait pas Diego, ça? Je dois faire mon rôle de modératrice et donc malheureusement, je dois te dire qu'on a quelques dizaines de minutes pour conclure. Donc, c'est bon, c'est bon. Et après, Saïra et moi, on va céder notre temps pour écouter les questions des étudiantes et voilà. Donc, c'est ça. Oh oui, c'est bon. Écoute, on a jusqu'à 11h, donc on va jouer ça un peu de façon comme ça vient, mais gênez-vous pas à tout moment de poser vos questions. Et je vais arrêter ça pour passer directement donc à quelques résultats. Je ne voulais pas montrer ça pour vous montrer donc qu'est-ce que les gens ont dit par rapport à la même question. Donc, les productrices et producteurs qu'on a sollicité pour cette étude-là. OK, donc je vais partager encore mon écran. Voilà. Vous voyez bien? Oui, c'est bon? C'est parfait. Ouais. Donc, c'est en anglais, je m'excuse, mais bon, c'est... en passant, c'est ça, c'est quand même... C'est Ipsos qui a fait cette étude-là avec moi. Mais avec moi, je l'ai dirigé, mais c'est quand même... Ipsos avec les fonds des médias. Je vais aller tout de suite à un peu à la chose, à l'essentiel des... excuse-moi, pourquoi ça ne saute pas? Voilà. Donc, 168 personnes, on a eu 92% des personnes qui ont répondu. En tout cas, ça, c'est un peu secondaire, c'est ça. C'est des personnes en français, en anglais, c'est tout. Donc, juste pour vous dire, donc, là, 64% des entreprises appartiennent à des propriétaires unitaires, donc une personne seulement, donc presque deux tiers des compagnies, un quart qui appartiennent à deux personnes, puis une petite quantité qui appartiennent à plusieurs personnes. Je vous dis ça parce qu'un des constats que je vois souvent, c'est que c'est beaucoup de gens solitaires en business, puis c'est surtout en télévision, ça prend tellement de connaissances, toi, d'un côté le côté business, de l'autre côté le côté création. Je vous encourage de réfléchir si jamais vous vous lancez en entreprise, de créer des groupes, si vous avez des amis qui sont soit en technologie, en business. Je trouve que la complémentarité aujourd'hui, c'est vraiment l'énerve du jeu. C'est vraiment s'assurer qu'il n'est pas juste un créateur tout seul en train de porter un projet. Puis c'est brûlant souvent. Probablement votre premier projet va être comme ça, mais peu à peu, réfléchir à cette question-là. Très, très paritaire. J'étais quand même surpris et content de voir qu'on est rendu. On fait beaucoup de campagnes depuis quelques années pour la parité homme-femme. Ici, on voit quand même qu'on est très, très proche. En fait, d'ailleurs, pour les fonds des médias, pour que sachez, parité, ça commence au 40%. Donc, plus que 40%, on est dans le territoire de la parité. Et orientation sexuelle aussi, intéressant, c'est selon Ipsos, c'est quand même en dessous de la moyenne
canadienne typique, ils l'attendent toujours un peu plus dans les 5%. Ici, on était au 12%. Peut-être c'est aussi, toi, c'est les arts. Donc, je pense que c'est quand même un environnement qui est quand même une diversité de toutes sortes. Hein. Donc, voilà, ça, c'est important. Donc, qui a répondu? Qui sont ces compagnies-là? On était aussi contente et surpris de voir que quand même beaucoup des communautés afro-descendantes. D'ailleurs, c'est ça, juste pour vous dire, dans les consultations, la communauté des productrices, producteurs racisés, francophones, surtout Québec, préfère d'utiliser le terme afro-descendante que noir. Noir, ce n'est pas péjoratif, ce n'est pas mauvaise, mais il y a une préférence actuelle pour utiliser afro-descendante. Donc, nous, en français, j'utilise toujours le terme afro-descendante avec une trade union. On pourrait faire toute une réflexion autour de ça. Pourquoi, comment, qu'est-ce que ça implique, pourquoi la différence en anglais. Toi. Tandis qu'en anglais, il y a toujours une fierté un peu avec black, comme vraiment étaient les termes. C'est ça les groupes. Intéressant, toi, c'est juste pour voir. Et évidemment, voyez que afro-descendante et personnes du Moyen-Orient et Afrique du Nord sont un peu plus prépondérantes du côté francophone. C'est normal, c'est la démographie. Les groupes les plus importants démographiquement, la minorité et ethnoculturelle la plus importante, c'est la communauté noire, beaucoup haïtienne et évidemment de plus en plus d'autres groupes qui s'adhèrent. Puis, les personnes du Moyen-Orient et nord-africaines aussi, c'est le deuxième. Les latinos étaient le troisième, donc c'est assez représentatif de la démographie. Par contre, je dois dire qu'il y a un soupçon que beaucoup de personnes qui se disent ici disent race mixte, un peu, c'est pas ça qu'on utilise en français, on dit d'origine mixte, sont souvent des personnes aussi avec qui sont afro-descendantes en partie aussi. Ça, c'est notre hypothèse, on n'est pas encore validé ça. L'âge, ça c'est pour vous très important, moi ça m'a choqué, et c'est très vieux le système. Je suis dans pleine consultation, puis ça semble qu'il y a quand même une pénurie des relèves, des productrices et des producteurs. Donc c'est ça, comme je vous dis depuis le début, beaucoup de gens qui veulent devenir des cinéastes, des réalisateurs, réalisatrices, mais beaucoup de moins des gens qui veulent devenir des producteurs, productrices, dans un système qui est vraiment basé sur les producteurs, productrices. C'est les producteurs, productrices qui ont beaucoup les contrôles des décisions décisionnelles sur les projets dans ce système-là. Donc, je vous encourage de réfléchir à ça avant de tous la gang sortir avec votre chapeau des réalisateurs, réalisatrices, de réfléchir, certains parmi vous, de penser à la production parce qu'on a on voit ça. Ça, c'est grave. On a 50 ans et plus, c'est quand même pas jeune. OK? Intéressant ici, juste anecdotiquement, c'est différent dans différentes communautés. Les latino-américains, c'est drôle, comme vous voyez, on est un groupe de latino-américains ici. C'est intéressant parce que c'est mon tranche d'âge est loin, toi, les 40 à 49, c'est vraiment les latino-américains, on est tous là. Donc, on est très bien représentés dans ce sens-là, mais c'est intéressant d'avoir les différences dans tous les groupes. Puis encore là, soit les moins de 30 ans, c'est vraiment. On a un déficit énorme des jeunes qui viennent. C'est aussi on comprend aussi, tu vois, ça prend une certaine maturité, voir d'autres travailler pour vraiment avant de se lancer en business. Mais je vous dis, c'est quelque chose qu'on discute activement au fond des médias. Manque d'une relève au niveau production. Ça, c'est le sujet très important par rapport à un petit exercice qu'on a fait. Donc, on voit massivement que les gens préfèrent des termes généraux, beaucoup sur leur pays d'origine, même à plusieurs générations. Moi, je trouve que c'est un peu la beauté du Canada, c'est qu'on garde, on trouve des anglo-saxons qui sont troisième génération irlandais, puis quand tu demandes d'où tu viens, tu es canadienne, mais je suis d'ascendance. Je trouve que c'est une beauté comparée aux États-Unis où les gens deviennent, toi, nous on devient des latinos et toi, un latino noir, c'est vraiment des gros silos très forts. Tandis que je trouve qu'ici on vit dans une société qui permet les nuances, l'individualité. Je trouve qu'on devrait créer des systèmes plus nuancés qui permettent d'exprimer notre identité d'une façon plus subtile
et respectant différents aspects de notre surtout quand on parle des auto-identifications, que c'est très sensible. Non? Pas recréer les stéréotypes et les catégories qui ont été créées de façon coloniale et de façon dominante, mais tranquillement, c'est clair qu'on doit les reconnaître pour parler des racismes, mais comment on trouve une solution pour vraiment aller dans un sens. Et donc, je vais passer rapidement, comme on dit, le temps file, puis on s'amuse, mais ça va, je vais passer un peu par-dessus de tout ça. Donc, ça, c'est un terme très intéressant, surtout, je trouve, pour les francophones. À quel point c'est ici, au Québec, puis les francophones qui ont une préférence pour s'appeler de la diversité ethnoculturelle. J'ai eu de longues discussions à ce sujet-là avec mes collègues anglophones. Les anglophones ne l'aiment pas trop parce que c'est trop ambigu pour eux, parce que si on fait la traduction littérale, on dit mais ethnoculturel, ben, tout le monde est diversité ethnoculturelle si on cherche, et ça inclut évidemment blanc ou non-blanc. Mais je trouve qu'au Québec, et surtout dans la culture francophone, je dirais même les Français, s'exprimer, tu vois, le malaise avec tout ce qui est racial, racisme. D'ailleurs, c'est une de mes hypothèses, vraiment, entre vous et moi, et hypothèse de pourquoi la résistance à parler des racismes systémiques, c'est toutes les nuances qui ont rapport à la race en français, c'est comme, rend les gens particulièrement mal à l'aise, tandis que dans le côté anglais, il y a comme une réappropriation qui s'est faite. Donc, on parle des racial diversity, mais comment on traduit racial diversity en français? Diversité raciale, ça, c'est comme... Donc, je trouve qu'il y a une tendance à éviter toute notion sur le racisme et la race en français, puis à rémédiquer quand même une des nuances. Donc, encore là, ethnoculturel, ça donne la subtilité. Toi, Katia peut dire mexicaine de cette région du Mexique ou de la ville. Et moi, je peux dire oui, colombien, mais de l'origine de l'est du pays où là vraiment je me sens vraiment mes ancêtres. Donc, je pense que c'est ça qui exprimait. Mais c'est clair qu'en anglais, maintenant, la prédominance des BIPOC, c'est très, très fort. Et puis, person of color, mais ça. On traduit très mal person of color en français et c'est ça que j'ai remarqué. Les gens, on l'utilise comme anglicisme un peu, personne de couleur, mais c'est un peu choquant, c'est un peu bizarre et puis les gens l'aiment beaucoup moins, 15%. On utilise personne racisée, donc racialized person, même si c'est bas de notre liste, mais je trouve que personne racisée, ça explique la situation. Ça dit, on n'est pas d'une race, on a été imposé une race de l'extérieur, puis on les porte malgré nous-mêmes. Donc, je trouve que c'est ça la nuance, pourquoi on accepte pour l'instant raciser, même si les gens, encore, même au Québec, trouvent ça choquant de même utiliser la notion, la racine, race, dans notre identification. Donc, c'est ça une chose importante. Là, c'est marée des chiffres, c'est juste pour souligner comment la jeunesse, donc les gens qui sont 39, qui sont plus jeunes que 39 ans, préfèrent largement BIPOC. Donc, je pense que même si on peut résister, la tendance, l'Internet, le fait que BIPOC s'utilise comme un terme d'empowerment, on ne peut pas l'éviter. C'est dans les médias. C'est très anglo-saxon, bien sûr. C'est très américain. Ce n'est pas inventé au Canada. C'est inventé aux États-Unis. C'est un peu académique. Mais je trouve qu'ici, il y a toujours une résistance. Les producteurs plus âgés ne l'aiment pas. Les peuples autochtones, souvent, ont une certaine malaise parce qu'ils ne veulent pas comme, être mis dans le même sac avec les autres. Donc, je trouve que c'est quelque chose qu'on doit faire attention à utiliser ça comme un terme parce que c'est quand même ça vient des États-Unis. Comme je dis, les États-Unis ont une réalité très différente à la nôtre. Puis, je pense qu'il va toujours se rappeler de ça. Et finalement, toi, générationnel, c'est intéressant, toi, donc beaucoup de gens des premières générations, donc on sent qu'il en relève, qu'il y a des gens qui sont les nouveaux arrivants qui rentrent dans l'industrie, surtout dans certains groupes, Moyen-Orient, Afrique du Nord. Et, mais en général, c'est ça, il y a une jeunesse, même si les gens sont âgés,
il a une certaine jeunesse dans le sens qu'il a une, c'est beaucoup de gens de la nouvelle génération, de la première génération, excuse-moi, qui rentrent dans, dans le système actuellement. Et c'est tout. Donc, je pense qu'avec ça, on peut passer à Katia. Je vais fermer ça. Merci beaucoup, Diego, pour cette magnifique présentation. Ça va, c'est un bombardement, mais... Les statistiques, on fait un examen à la fin. Hein. C'est tout, tout ce chiffre-là, on va faire un examen très strict. Il y a une question maintenant qui a posé Félix Thériault. Il demande, je me demande si la perte de l'économie familiale à l'école et l'éducation au budget a eu un possible impact sur notre relation avec l'économie pour la plus jeune génération et qui pourrait être... qui pourra en partie expliquer ce manque des personnes en production dans une tranche d'âge plus jeune. C'est une super hypothèse. Est-ce qu'on a une bourse, Sarah, pour aider Félix à développer ce projet-là? J'aimerais très bien de... Mais écoute, Félix, je n'ai pas une réponse pour toi, mais c'est ça que je, c'est en partie pourquoi je suis avec vous aujourd'hui. J'ai, on a une manque de connaissances énorme. Moi, j'arrivais au fond des médias, j'imaginais qu'on avait déjà toutes les études, puis on avait déjà ciblé le problème, puis pour les solutions. Et le fond des médias, c'est les plus grandes institutions du pays. C'est, on a un département entier dédié à la data. Puis, on a une méconnaissance de la situation actuelle, puis encore plus des causes du problème. Moi, je pense que... c'est clair qu'il ne faut, faut pas oublier qu'on parle vraiment du Fonds des médias du Canada. Okay? C'est vraiment les fonds qui financent la télévision. Est-ce que quelqu'un ici regarde la télévision? Sincèrement. Pas beaucoup, j'imagine. Peut-être un peu. Oui, OK, c'est ça. Donc, okay. C'est ça, on regarde la télévision, mais c'est ça, on s'aligne directement à, vers les streamers étrangers. C'est ça, c'est inévitable, tu vois. C'est Amazon, Netflix et tous les autres, ou les gens qui jouent des jeux vidéo vont aller sur Steam. Est-ce que les gens, est-ce que la nouvelle génération pense, ah oui, je veux faire un projet pour la télévision? C'est un peu... Non, mais à la fois, les formats de télévision est très à la mode, elle est très vivante, dans le sens de la série. Toi, qui ne veut pas voir une binge, une série sur Netflix ou sur n'importe quoi? Pas de n'importe quel pays, c'est ça la beauté aussi. On peut aller voir une série dans plein d'autres langues. Et donc, notre intérêt, mon propre intérêt, c'est un peu plus dans ça qu'il y a... Mais essayer de convaincre une télé à qui m'accepte puis qui va... Moi, je veux faire un format qui se ressemble à tout ce qu'on fait dans le passé. Je trouve que c'est un peu ça aussi qui explique les chiffres de la jeunesse. Mais je suis vraiment intéressé à voir plutôt votre point de vue. Si vous sentez vraiment qu'il y a une difficulté économique, mais de même penser à prendre des risques. C'est clair qu'étudier du cinéma, c'est pas faire... vous n'êtes pas des ingénieurs, non? C'est pas comme quelque chose qu'on sort à construire des... Je sais pas de quoi, des bateaux. C'est un art. Souvent, on a la pression sociale, on veut réussir, mais en même temps, c'est ça, on vit dans une ère des médias, hein. On consomme les médias, nos cellulaires partout, les formats, les contenus, les jeux, les hybrides, et puis on ne va pas arrêter. Après la COVID, l'augmentation des consommations des médias est incroyable. Donc, je vous encourage. C'est juste que, qu'est-ce que je viens ici un peu en petit démon pour dire, réfléchissez avant de dire, OK, je veux devenir cinéaste d'auteur pur et dur, point final. Encore là, j'adore, je vais au festival, tous mes amis font du cinéma d'auteur, mais des fois, on dit, ah, mais tiens, mais qu'est-ce que les gens regardent? Toi, aujourd'hui, toi, avec les données aussi, c'est ça qu'on encourage beaucoup, on peut savoir les tendances, qu'est-ce que les gens sont en train de regarder, sur quelle plateforme, est-ce qu'on peut créer un événement ou un contenu pour TikTok, pour n'importe quoi, et c'est ça l'avenir, et donc, et même le fonds des médias est en retard de reconnaître ce type de nouveaux formats et nouvelles façons. Vous êtes un YouTuber qui a une chaîne, puis vous avez 100 000 personnes inscrites. C'est ça, beaucoup à venir. Je trouve que les jeunes sont plutôt dans cet univers-là qu'aller cogner la porte d'une chaîne, d'une,
d'un homme blanc d'un certain âge à demander « s'il te plaît, donne-moi une chance », toi. Je pense que c'est moins ça le cas. Donc, c'est mon point de vue, c'est pas statistique, mais j'encourage Sarah de donner une petite bourse. En tout cas, je lui mets la pression, mais c'est ça va pour aller plus loin dans ta réflexion. Il y a une autre question hein, de Sarah Jeanne Bizer. Et en fait, ce sont deux questions de sa part. Quel conseil donnerez-vous aux gens racisés sans expérience qui veulent se lancer dans la production? Et aussi, est-ce que la modification de la politique de communication plus adaptée aux jeunes n'aiderait pas l'accès aux subventions des jeunes et des communautés racisées? Oui, c'est des très bonnes questions. Donc, la première, on vit actuellement un temps, je pense, d'une sensibilité accrue à vraiment à donner la place à des personnes des communautés racisées. Donc, toi, j'ai une job, puis les gens, franchement, ont besoin de moi. Et tous les organismes sont, je dirais même de façon désespérée, en train de chercher des gens compétents des communautés racisées parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne peut plus faire des politiques pour les communautés racisées par des personnes qui n'ont aucun lien avec une communauté au moins sous-représentée pour vraiment se mettre dans la peau de quelqu'un qui n'a pas de privilèges ou qui a une situation de marginalisation. Donc, je trouve que c'est une belle époque pour s'intégrer au système. Et il y a des aides supplémentaires, des incubateurs, j'avais dit, des formations particulières. Par exemple, nous, on a financé quelques organismes qui ont été créés cette année ou qui ont créé des nouveaux programmes. Et on a donc aidé à la formation d'un groupe. On n'avait pas une association, un organisme au Québec qui représentait les intérêts des personnes racisées. Maintenant, on a un organisme qui s'appelle la Coalition Média. Ça existe sur Facebook, mais c'est un vrai organisme. Donc, si vous cherchez Coalition Média, eux, ils sont vraiment maintenant un peu les lobbies. Donc, c'est un bon temps pour faire les lobbies parce que les lois, les règles ne sont pas encore écrites. Donc, c'est vraiment un temps de s'impliquer, de réfléchir, de suivre les nouvelles. Je sais pas si des fois c'est plate, mais à rentrer dans les sites web des places comme les fonds de médias puis aller regarder parce qu'il y a des opportunités pour des gens. Parallèle à ce que tu dis, effectivement, puis je pense qu'on vit un moment aussi d'éveillement sur les nouvelles formats, les nouvelles formules, puis on est conscient que c'est seulement la nouvelle génération qui va maîtriser ça. C'est pas la vieille génération qui va inventer la prochaine web-série sur TikTok. On s'entend. Ça prend une sensibilité, ça prend une culture, ça prend une génération comme vous qui vous avez le cellulaire une extension de votre main. Et pas pour dire que c'est une bonne chose, vous encourage d'aller vous promener dans la forêt de temps en temps, déconnectez-vous, mais c'est la réalité des choses. Donc, moi, je pense qu'il y a des programmes, et pas des programmes seulement qui vont vous aider, mais je pense qu'il y a des opportunités qui vont être naturellement à vous à prendre. Une chose importante sur le racisme et tous les systèmes d'exclusion, moi, je parle vraiment de façon très générale du système d'exclusion parce que sincèrement, il y a des personnes blanches qui se sont exclues aussi, pas des raisons socio-économiques, parce qu'ils sont, même si tu es personne blanche, mais tu es marginaux parce que tu es punk ou tu es non-binaire ou tu es autre chose. Donc, je pense qu'on vit toutes sortes de systèmes d'exclusion qui ne sont pas spécifiques aux communautés racisées. Vous êtes un amateur de la musique folklorique de notre pays. Moi, je crois qu'un jour, on va arriver à regarder toutes ces nuances-là de façon très nette. Mais je pense que c'est important de savoir que oui, il y a un blocage, donc il y a un système qui est un peu archaïque, mais à la fois, toutes les opportunités là sont là aussi pour se prendre en main, pour avoir l'information, pour se regrouper, c'est pour ça que je parlais beaucoup de ça, c'est pour ça la raison que j'ai cofondé une coopérative, créer des groupes de discussions, tu vois, c'est facile de tomber à « ah oui, je sors d'ici à chercher un emploi, ah oui, je n'ai pas d'emploi, c'est triste, je pense à autre chose », mais la réalité, c'est que personne n'a la formule magique de l'avenir des médias, donc
je vous encourage quand même à faire vos propres réflexions. Si ce n'est pas des groupes d'intérêt ou des groupes, par exemple, des communautés, donc oui, je suis une personne latino-américaine, comment je fais, je me sens un peu exclu, mais OK, mais je ne peux pas attendre que ça tombe du ciel, que le système va changer, et là, finalement, je vais réussir à rentrer. J'ai fait aussi ma part. Et il y a beaucoup du racisme, que c'est du racisme, mais je parle de racisme, mais je pense que ça s'applique à toutes sortes d'exclusions, qui s'est intégré dans nous. Donc, on ne se sent pas si bon, on ne se sent pas si accepté, on ne pense pas que les gens vont nous écouter, on ne pense pas qu'on a le pouvoir de changer le système. Puis, c'est un piège, c'est un phénomène psychologique. Toi. On s'habitue, on pense à ça, puis on va des fois même pas essayer. On ne va pas réfléchir à la tournure de la petite craque dans le système, puis on va pas avoir l'élan, l'intention de s'insérer dans le système. Donc, je pense que en tant que jeunesse, je pense que c'est à vous à inventer, pas à attendre que le système à Kaït va s'adapter à vous. Il faut l'inventer à fur et à mesure. Puis, quand vous aurez une web-série ou un projet d'installation VR poussé et que vous avez 10 000 followers sur votre Instagram, là, vous cognez la porte. « Hey, allô, j'ai ça et j'ai aussi une... » Tu vois, des choses que nous, on ne pensait pas dans notre époque. J'ai une marque de quelque chose, café, je ne veux pas dire une marque parce que c'est... mais qui va me soutenir. Puis j'ai 10 000 followers ici, 5 000 là-bas, puis si je mets sur mon YouTube, ça, c'est à vous, c'est native à vous, c'est vraiment le langage à vous, que ce n'est pas à moi. Moi, j'ai grandi dans une époque où on comptait les gens qui rentraient dans la salle de cinéma, puis « Oh, wow, j'ai 50 personnes, j'ai une réussite. » Donc, je pense que c'est une longue réponse pour quelque chose, mais j'essaie de le faire pour tout le monde. Je pense que c'est pour vous encourager. Donc, Louise Cheminot a une question, si vous pouvez ouvrir vos micros. Oui, mais ça avait pas à voir avec forcément toute la deuxième partie de ce que vous avez dit, mais c'est plus par rapport à votre parcours. Enfin, vous avez mentionné que vous avez commencé en tant que monteur, c'est ça? Et je voulais savoir un peu comment ça a été de naviguer un peu tout ce système de production, tout ça, genre comment on peut faire en tant que c'était un peu une position exceptionnelle là, mais comment ça vous faites pour comme naviguer cette économie, genre passer toutes les étapes, vous êtes passé quand même de monteur là, vous avez vraiment monté les échelles là, c'est comme très impressionnant. Je me demandais vraiment comment vous... parce que vraiment, j'ai l'impression que vous disiez qu'il n'y a pas les communications, genre disant voilà exactement le travail que tu vas devoir faire. Fait que vraiment, je me pose la question là-dessus. Ouais. Très bonne question. Donc, moi, et d'ailleurs, c'est quelque chose que je dis tout le temps, que je me sens toujours monteur. C'est comme un peu mon métier que j'aime le plus. Et même que j'ai réalisé, j'ai produit... Et maintenant, je suis plus dans l'institutionnel, en train de me battre un peu avec les lions. Le montage, pour moi, c'était vraiment penser de façon structurelle. Les cartons, je ne sais pas si vous travaillez comme ça chez vous, là, les cartons sur le mur, mettre les idées ensemble, les simplifier, les enlever, les ordonner. Un peu la pensée non linéaire. Je trouve que le montage, c'est vraiment cet équilibre entre... pensée linéaire avec une... créer linéaire, excuse-moi, avec une pensée non linéaire. En tout cas, c'est anecdotique pour moi, mais je trouve que ça m'a servi même au niveau de créer une coopérative, de bâtir une entreprise, de penser au problème, à régler un problème d'une autre manière. Mais c'est vraiment des parcours personnels. Qu'est-ce que je dis, c'est pour vous. Moi, je n'étais pas un enfant riche, donc je n'avais pas des parents pour me soutenir à tout moment. J'ai une famille quand même qui m'aide quand je suis mal pris, donc je suis privilégié dans ce sens-là, je n'ai pas à mourir de faim, mais je n'avais pas de contact, je n'avais pas de capacité de développer un projet pendant 3 ans puis pas être payé. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé? C'est toujours d'avoir un métier, donc montage, c'était mon métier, c'est relativement facile d'aller chercher un emploi en tant que métier, donc monteur, recherchiste, caméra, son, je vous encourage parce que si vous avez besoin de payer vos frais, vos loyers, c'est plus facile. Et on peut aller sur
sur Internet, ils trouvaient quelqu'un qui cherche preneur de son. Ça, c'est facile, mais personne ne met une annonce. On cherche un réalisateur, c'est très rare. Donc, je vous encourage à ça. Puis, en parallèle, pas négliger vos projets. Donc, mon idée, c'est toujours développer des projets pendant que j'avais mon métier. Puis, dès que j'ai une opportunité de passer mon projet, j'ai inscrit ça. Et puis, le plus et plus, arrimer votre métier avec votre passion, votre projet, votre vision plus long terme pour, idéalement, un jour où ça devient la même chose. Ce n'est pas facile. Des fois, c'est rapide. Des fois, dans ce chemin-là, on décide, non, tu sais quoi, j'aime bien mon métier. Je vais devenir monteur ou monteuse. Et je suis contente comme ça, puis c'est parfait. On a besoin énormément de bons monteurs, monteuses. Donc, c'est vraiment ça que je conseille. Après ça, c'est si vous gardez cet élan-là actif de vouloir toujours aller vers des projets intéressants, puis démystifier un peu, toi, qu'est-ce qui est comme ça, réalisateur, scénariste, genre que je suis vraiment croyante, travailler en équipe, et puis être humble, toi, à dire, OK, regarde, j'ai décidé que ma tâche, je suis plus à aider des autres personnes dans leurs projets ou j'ai collaboré avec d'autres. Donc, je pense que c'est important aussi de penser à ça. Et puis ça, les choses arrivent. C'est ça. Gardez votre intérêt ouvert puis votre élan d'avancer. Ouais. Merci beaucoup, Diego. Une réponse un peu à faire. OK. Merci. Donc, nous avons la dernière question de la part de Maxime Archambault. Et il demande, en tant que femme blanche, je me pose la question suivante. Quelle place et comment puis-je me positionner pour assurer une plus grande représentation de personnes racisées devant et derrière la caméra sans toutefois prendre la place de ces personnes? Magnifique. Super question. J'encourage énormément. Toi, je sens qu'on vit, je pense que pour votre génération, c'est particulièrement sensible. Non? On a vu dans les nouvelles, on ne peut plus parler, il faut faire attention avec le langage qu'on utilise, on ne va pas envahir l'espace sécuritaire des autres. Donc, c'est clair que je viens d'une autre génération, je suis la génération X, qu'on avait un peu moins, j'imagine qu'il y a quelqu'un, je ne sais pas, Joël, peut-être on est même génération. Non? On n'avait pas tout ça avant, donc on parlait de façon franche. C'est clair qu'il y avait du racisme un peu plus caché, des fois moins caché. Et aujourd'hui, on vit dans une situation un peu plus d'une sensibilité accrue, puis c'est tant mieux parce que, comme j'ai dit depuis le début, on a un problème. Par contre, c'est ça, on va régler le problème en dialoguant ensemble, c'est pas en créant... La pire chose que les communautés demandent, la dernière chose que les communautés demandent, c'est d'avoir un groupe ghetto entre nous, entre les communautés qui ont ces regards entre nous, puis avoir une chaîne télé pour les latino-américaines, puis un fonds pour les latino-américaines. C'est pas ça que les gens cherchent. C'est plus arriver à un espace de dialogue ouvert. Je pense que moi, je suis... moins et moins inquiet avec votre génération. Je trouve que vous avez une vue du monde différente. Vous n'êtes pas affairé à des vieux modèles, des vieux dogmas de qui sommes-nous. Je pense que la pluralité est plus dans votre ADN. Donc, moi, j'irais un dialogue sincère et inclusif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être inclusif? C'est pas juste être... On n'a pas parlé de ça, mais c'est beaucoup de... On parlait souvent de la diversité avant. Donc, la diversité, c'était bien. C'est, ah oui, tiens, je laisse une place pour une personne. Donc, c'est comme... Souvent, je dis que c'est comme une party. OK, on invite à la fête des gens qui ne sont pas comme moi. Donc, c'est génial. Ils sont là, ils sont assis. Mais la question, est-ce qu'on les invite à danser? Donc, inviter à... Donc, on a une fête, puis il y a quelques personnes qui ne sont pas comme nous. Donc, ça, c'est la diversité. Allô? Oui, c'est là. Et est-ce qu'on les invite à danser? C'est ça, l'équité. Donc, on fait l'effort de les inviter à danser. Et puis, est-ce qu'on vraiment, on s'amuse ensemble, puis on est vraiment tous une expérience singulière, agréable, et on se sent qu'on fait partie de la même fête? C'est ça, l'inclusion. Donc, moi, je dis... Et il faut être juste à l'écoute pour inviter à danser. et dans le sens, c'est un sens métaphorique, mais c'est un peu cliché pour un latino, mais c'est la réalité. Dans le sens que si je vous conseille de façon plutôt pratique,
Si vous avez un projet qui touche à une communauté, faites attention de qui, s'il a vraiment besoin que toi, si possible, d'avoir un réalisateur, réalisatrice, évidemment, de la communauté. La scénarisation est très importante. Pas besoin que toute l'équipe soit absolument de la communauté. Toi, je pense qu'on est tous d'accord. Il y a des gens qui sont... Mais, par exemple, pensez à des... Si vous avez, par exemple, une personne chevronnée, personne blanche qui fait la caméra, mais peut-être, est-ce qu'on peut ajouter un apprenti d'une communauté qui va se développer à côté de ça? On a une pénurie actuellement des techniciens des communautés racisées. Éventuellement, peut-être on n'aurait plus. Donc, il dit, tiens, cette fois-ci, travaillons avec quelqu'un qui amène un autre goût. Toi. Je pense que c'est ça, c'est prendre cette expérience comme un avantage. On se regarde autour et on dit, oups, on se ressemble un peu trop tout le monde. On est à Montréal, et cette partie a peut-être quelque chose. Pas pour dire on arrête les parties, mais on réflexionne. On devient sensible à ça. Est-ce qu'on est vraiment inclusif? Puis, évidemment, la race, les ethnies, c'est facile parce que c'est visuel, mais il faut penser aux différentes choses, soit la diversité, la neurodiversité. Est-ce qu'on écoute nos générationnels? Est-ce qu'on est en contact avec des personnes plus âgées, avec des gens des plus jeunes? Ça devient vraiment une instinct qui développe à apprécier puis à chercher des groupes qui ne sont pas tous pareils et ne sont pas tous comme nous. Et avoir un avantage, voir l'avantage économique, culturel, social et de, tout simplement des sympathies d'avoir ce genre d'environnement. Donc, c'est ça. Et je veux dire, c'est ça, la démographie ne va pas changer. Toi, au Québec, on est toujours très majoritairement comme une société blanche. Pas avoir peur, toi, c'est pas, on ne va pas arriver à enlever les emplois. Ce n'est pas ça, c'est juste... On est, comme je l'ai montré, que j'ai parlé au début, on est 1,2% de l'argent. On est très loin. Donc, savoir qu'est-ce qu'on demande, ce n'est pas avoir 50%. C'est arriver à un point qui est environ dans l'équilibre de la démographie, environ dans une certaine ouverture qui représente nos villes. Toi, Montréal, quand même, une ville à 40% diverse. Est-ce qu'on a 40% de diversité dans nos équipes, 40% des personnes dans les écrans? Donc, c'est ça, c'est cette réflexion-là qu'il faut voir. Tadam! C'est bon? Oui, donc j'ai, avec cette réflexion, j'ai de remercier à Diego Briceño, à Joël Liman, à Cassandra Dion et à Zaira Sarsa pour cette occasion de partager sur ces thématiques, aussi au département et au Labo Cinémédias et à l'Observatoire du cinéma au Québec. Et merci aux étudiants pour poser vos questions et à la prochaine. Merci beaucoup, Katia. Merci, Joël, Cassandra, les étudiants. Et merci spécial à Diego pour ton temps. C'était magnifique. Gracias. Plaisir. Merci tout le monde. J'espère que ça a été utile. Puis voilà, si vous avez d'autres questions, passez par Katia ou Sarah et ont mes coordonnées. Je suis quand même disponible si vous avez d'autres questions ou d'autres besoins. Ça marche? Ça va. Merci. Bye, tout le monde. À la prochaine. Bye.